plutôt bonsoir. Je me propose en toute simplicité de vous brosser mon portrait. Je suis Alain. Je mesure 64 kilos pour un poids d'un mètre 64. J'ai 64 dents. Autant dire que je suis parfaitement équilibré. J'habite Vincennes, mais j'ai fait ma première communion à Colombes. J'ai quatre passions dans la vie. La musique. La vidéo. Faire des expériences de survie sur des chatons. Et enfin la photographie. Comme là, je filme avec mon appareil, j'ai mis une mangue à la place. On peut aussi photographier avec, mais c'est beaucoup plus technique. J'ai la chance de faire partie de la troupe musicale. Véritable sas de décompression, cette troupe me donne depuis plus de 2 ans l'opportunité d'exercer 3 de mes passions, d'apprendre et de progresser dans chacune d'entre elles, et de les partager. On peut donc dire que chez Music Hall, je porte plusieurs casquettes. Ma casquette préférée en tant que musicolien, sans l'ombre d'une hésitation, c'est d'être le batteur de la troupe. En tant que photographe, vidéaste et monteur, j'ai contribué à la création de décors numériques sur 4 titres du premier spectacle. Et puis j'ai eu le privilège de photographier et filmer l'intimité des répétitions de l'année 2018, constituant ainsi, avec d'autres personnes bien sûr, une énorme banque de médias dédiée à la troupe. En sautant par la carobique, dépassant son air. Et du coup, comment résister à l'irrépressible envie de raconter les petites histoires du music hall à travers un savoureux making-of? Alors, oh, et puis il y a eu ces teasers pour la sortie de notre DVD, la naissance du Music Hall Tour. La plupart d'entre eux mettent en scène Roman. Ça, c'est parce que j'aime bien embêter Roman. Et puis j'avoue être fan d'effets spéciaux, tant qu'ils restent discrets et sont utilisés avec parcimonie. Et donc, il y eut cette sombre histoire de DVD. Ah oui, à propos du DVD, achetez-le, je vous en supplie, achetez-le. D'abord parce qu'il est super bien, je ne dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait, mais bon. Et en plus, 8000 exemplaires dans la cave de Perrine, ça prend de la place. Achetez-le. Et comme dit l'une de mes collègues, gardez le smile. Quelqu'un qui a éteint la lumière, là ?